Bonsoir. Trois visites encore aujourd'hui à l'Elysée et un refus ostensible de céder à la précipitation. Monsieur Michel Rocard aura donc mis 48 heures pour établir la liste des ministres et des ministres délégués de son gouvernement. Une liste qu'a rendue publique un peu après 20 heures le secrétaire général de l'Elysée, monsieur Jean-Louis Bianco. Le président de la République, vu les articles 8 et 9 de la Constitution, sur la proposition du Premier ministre, décrète, sont nommés Premier ministre M. Michel Rocard, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports, M. Lionel Jospin, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, M. Pierre Bérégovoy, ministre d'État, ministre de l'Équipement et du Logement, M. Maurice Faure, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Roland Dumas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Pierre Arpaillange, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, M. Pierre Jox, ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, M. Roger Fauroux, ministre des Affaires européennes, Mme Edith Cresson, ministre des Transports, M. Louis Mermaz, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, M. Michel Durafour, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, M. Michel Delbar, ministre de la Coopération et du Développement, M. Jacques Pelletier, ministre de la Culture et de la Communication, M. Jacques Lang, ministre de l'Agriculture et de la Forêt, M. Henri Nallet, ministre des Postes, Télécommunications et de l'Espace, M. Paul Quilès, ministre de la Mer, M. Louis Le Pinsec, ministre chargé des Relations avec le Parlement, M. Jean Popraine, sont nommés ministres délégués. Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, M. Olivier Stirn. Ministre délégué auprès du ministre d'État, chargé de l'Éducation nationale, de la Recherche et des Sports, chargé de la Recherche, M. Hubert Curien. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mme Edwige Avis. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, chargé de l'Aménagement du territoire et des Reconversions, M. Jacques Chérec. Ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Aménagement du territoire, M. François Doubin. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé de la Famille, des Droits de la Femme, de la Solidarité et des Rapatriés, Mme Georgina Dufoy. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales, chargé de la Santé et de la Protection sociale, M. Claude Évin. Ministre délégué auprès du ministre de la Culture et de la Communication, chargé de la Communication, Mme Catherine Tasca. La liste du gouvernement sera complétée demain par la nomination des secrétaires d'État. Le Conseil des ministres se réunira également demain, après-midi à 15 heures, au Palais de l'Élysée. Je vous remercie.